et bienvenue pour ma deuxième vidéo sur le jeu Morrowind. Ça va commencer maintenant. Entre les deux épisodes, j'ai fait plusieurs changements. Comme un des gros changements que j'ai fait, ça a été j'ai switché de langue. J'ai installé un patch FR pour que ça soit plus agréable pour tout le monde le son. Donc, le jeu est maintenant en français. Ah ouais, ça c'est un glitch que j'ai avec le nouveau patch. Je dois load mes quick save. On va aller sur FR. Oui. Ok. Je vous écoute. Ok. Fait que là, on se retrouve où la dernière fois. Ce qui était gossant, c'est que j'ai, entre les deux vidéos, j'ai tout perdu ma sauvegarde à cause du patch FR. Mais je me suis re-rendu où on était. Fait que là, on était rendu au Caius que s'adresse nous disait d'aller s'acheter une armure pour le tout. Fait que mais j'ai trouvé ça. Il disait que c'était sur la même rue. On va se promener. Balmora, maison de Vorar. Maison de Ritlin. Et Esirus, truc de glace. Un jour on va trouver là. Faut qu'on trouve la maison du marchand. Je pense plus qu'elle est en bas. Tu vois, c'est là qui sont les marchands. Oh, bienvenue à Valora, si je conseille, je te parle pas. Je sais pas parler. Maison de train truc. Tour de garde. Un jour on va y arriver. Je me promenais de ce bord-là, puis je cherchais les magasins. Et c'est Niemene. On va aller checker l'autre bord. Fait quoi? J'ai dû tout recommencer ma partie. C'est pas si pire, parce que j'avais pas tant avancé que ça. Mais j'ai recréé la même game précisément. Là. J'ai le même personnage. Salut, fellow Argonians. C'est quoi ça? Club du conseil. Je pense qu'on se rapproche si on est proche d'un conseil. Est-ce que ça c'est le verrou de la chance? Un jour, on va trouver les magasins. Ah! Est-ce que ce serait ici? Tailleur, on y est presque. Toi, t'es quoi déjà? T'es marchand? Je suis sûr qu'il y a une armurerie. Ah, armurier! Tiens. Bonjour. Bonjour, je suis Meldor. Nanana. Marchandé. Bon. Qu'est-ce que t'as? Une botte de système. Arme. Ok, il y a juste une arme. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme arme légère. Fait que je peux avoir des pantalons, un casque ou autre. Casque de cuir, léger, lourd. Ok, on va se prendre. Coûte combien? Oh, 8. J'achète. J'ai maintenant casque de trucs. Est-ce que je peux le prendre, non? Je suis en train de faire mon argent, là. Tiens. Quoi? Je ne peux pas mettre ce masque? L'orvin. Ok. C'est quoi ça? Bracelet d'ossement. Je peux pas mettre de bottes. Fait qu'est-ce que j'ai? Tiens, tenue. Ah, légère. On va regarder si je peux le porter. Au revoir. Où est-ce que je l'ai mis? On est d'accord, j'ai acheté une cuirasse. J'ai combien d'argent?
213 d'or. D'où? J'espère que c'est important. Oui, c'est important, là. Hé, rends-moi mon argent! Bon, ok. Marchandé. Bon. Fait que toi, tu m'offres... Bouclier de chicken. Ok, tout m'a l'air correct. On va aller s'acheter des armes autre part. Proposer. Ah, fallait que je fasse proposer. Ok, maintenant que je comprends comment ça marche, on va faire marchander, cuirasse de cuir, puis ok. Que normalement, si je fais armure, bouclier de chitine, puis cuirasse. Ah oui, je voulais m'acheter un petit masque. T'as-tu un masque? J'aime pas être argonien. Je veux dire, j'adore être argonien, là, mais c'est pas pratique pour le reste. Casque de cuir, nana, bouillie. Valeur 17, j'achète. Puis. Tiens, ok. Je vais me changer pour une dernière fois. Masque. Les races animales ne peuvent pas porter de casque. Ah, chou! Je me suis fait arnaquer. Bonne mort. Je sais pas si ça existe des magasins juste d'armes. Rarvir. Peut-être que Rarvir va nous vendre des armes. Oh, c'est toi Rarvir? Le Khajiit n'a rien à vous dire. Ok. Marchandé. Ah, toi t'as plein d'art. Bon. Dague d'argent. Attends-moi. Ma dague en ce moment, elle fait combien? Dague courte, coup asséné, coup de taille. Ok. Fait qu'elle fait à peu près 4 et 5. Légère. Épée courte. Épée courte de fer. Coup d'essai. Ok, prendre une épée courte de fer, puis au cas où, rien d'autre. Ok, fait que j'ai eu une arme m'équipée. Ok, parfait. Moi, essayer aujourd'hui de me rendre à la guilde des voleurs, mais pas sûr. Toi, tu sais-tu des trucs à propos de la guilde des voleurs? Guilde des guerriers. Ok, connais rien. F. Ok. On va aller dehors. Bon. Wow! Ok. C'est qu'on est que Gus Clignard. Je trouve que par contre, ce qui est gossant dans le jeu-là, c'est que c'est pas clair. Guilde des mages. Je suis capable de sauter. Ah, chut. On va prendre un quick save. Ok. C'est quoi ça? Guilde des guerriers. Bouquiniste. Pourquoi il n'y a pas de guilde des voleurs? On m'avait promis une guilde des voleurs. Des 8 plats. Attends, on va aller voir notre ami Caius, là. C'est sûr que c'est quelque chose. Caius, t'es-tu ici? Ah, chou. Je suis déjà perdu. Comme disent les... je fais respecter, circuler. Mais je te parle pas! Pourquoi tout le monde me parle? Je te parle pas. Je t'écoute pas, je te parle pas. Ah.
Bon, yo, toi t'es quoi? Nerano. Morangtong. Toi t'es quoi? Tailleur. Alchimiste. Ah! J'ai encore perdu la maison de Caius. C'est quoi ça? Temple d'Unmur. Non. Eddie le vif. Je pense pas qu'il... Je te parle pas. Bon. Section maison. Excusez si c'est long là, je suis en train d'essayer de chercher le gars là. Dommage. Oh, oh non, j'ai une carte, Ah. Garde des mages, mages, guerriers, guerriers, vori, garde de l'ouest, bouquiniste, armurier, tailleur, tailleur, club du conseil, au verrou de la chambre, Caillus, Caillus, c'est-tu là? Du roi du bol, truc, truc, truc. Caillus, que ça doit être, ok. C'est l'autre bord des ponts. Ça parle pas! Je te regarde pas. Tu vas me parler. Non! Ça parle pas! Bon. Caillus est supposé être genre. Là-bas. Salut, fellow. Delcera Gagos, hein? Ok, bah. C'est Caillus. Je suis sûr que c'est Caillus. Ok. Caillus, peux-tu me donner des informations sur la guilde des voleurs? Bon. Dans le reste de l'Empire, la guilde des voleurs est un groupe plus ou moins organisé. Syndicat du crime local. Ici, à Morrowind, il est arrivé depuis peu. Jusque-là, le milieu du crime était verrouillé par la Camonatone. La guilde des voleurs ne fait pas tant de petites annonces. Autant pour échapper aux représentants de la loi qu'à la Camonatone, qui redit. Le responsable local de la guilde s'appelle Abazi dans le sucre. Vous le trouvez au mur du sud. Fait qu'on doit aller voir au mur du sud. Ok, je peux savoir. Ok, on va sortir d'ici. Mur du sud, tu vois. Ça va le pas toi. Ok. Mur du sud, on va aller checker ça. Où est-ce que ça pourrait... Ah, ok. Cercle du mur du sud. Donc, ça va être... En avant de nous. Mais un peu... Mais on doit descendre. Ok, c'est ici. C'est bizarre. Dès que j'ai la carte, c'est beaucoup plus simple. Cercle du mur du sud. On a... Qu'avez-vous à dire? Ok, salut! Guilde des voleurs. Pourquoi venez-vous me voir et pourquoi vous entrez dans la guilde des voleurs? Ok, on est bel et bien à la guilde des voleurs. Toi, je te parle. Nous, on cherche un gogos dans le sucre. Salut, Kadjut. Ah, vas-y, dans le sucre. Guilde des voleurs. Pourquoi venez-vous me voir et pourquoi voulez-vous rentrer dans la guilde des voleurs? Ok. Il semble avoir les informations qu'on veut. Entrer à la guilde des voleurs. Vous avez l'air d'avoir vous trouviez, vous pouvez vous joindre à nous. Ou peut-être préférez-vous d'abord savoir qui nous sommes. Quelles sont les règles? Bon, n'oubliez jamais qu'il est faux de prétendre que les voleurs n'ont pas d'honneur. Il est interdit de supplier quoi que ce soit à un frère voleur. Tous les autres pigeons étant des cibles potentielles de la même manière. Défense d'attaquer un voleur. Ce que vous faites autant ne vous recommande pas. Si vous enfreignez ces règles, vous devrez vous entretenir avec un supérieur de la guilde Verandel. Ok, c'est bien compris. Ouais. Vous êtes désormais un crapaud de la ville des voleurs. Bienvenue, frère Bartlett. Venez me parler quand vous voudrez effectuer quelques petits boulots ou quand vous penserez m'acquitter une nouvelle promotion.
déjà marchandé. Ne peut servir que les membres du haut rang. Ok. Ok. Entrer dans la gueule des voleurs, je suis déjà là. Petit boulot. Bon. Une bonne amie d'Avazi veut un diamant. D'accord, le chimiste en possède. Ok, promotion. Personne ne remet vos dons en question. Mais non, même pas le vôtre aux royautés. Ok, on va aller voir. Comment on appelle ça? Le chimiste. Quand je vais avoir fini la quête du voleur, ça va être la fin de cet épisode-ci. Parce que ça fait un bout. Ok. Fait que ça va. C'est pas de l'autre bord, mais je sens que c'est de l'autre bord. Marchand. Tailleur, tailleur. Armurier, bouquiniste. Truc des guerriers. Marchand, marchand. Au verrou de la chance. Nord de la tour de la garde est. Madoir, Railo. Nanananana. Conseil, conseil. Nerano. Ah, je l'ai vu tantôt. Je suis sûre que c'était par ici. Ravir le marchand. Ravir le marchand. Maison de Tsi. Maison de Carlina. Des mages. Peut-être de ce bord-là. Dodgeball, Telas, Artrène. Entrepôt, maison du Rajbol. Ok, mort du sud, Trenna, Neuforteil, Neuforteil, Omarel, nanana, maison de Caius. C'est donc un peu pratique ici. Ah, alchimiste. Fait que ça va être en avant de nous, puis à droite. En avant de nous, à droite. Ok. Fait. On avance par ici. Ok. On avance puis à droite. À droite. Ok, je suis sûr que c'est là. Ou plus loin. C'est ça, c'était là, alchimiste de Renault. Je suis sûr que c'est ici. Alchimiste, tiens. Que voulez-vous? Est-il possible d'aller plus vite? Bon. Sur Morrowind. Okay. Là, on devait essayer de le dérober, je pense, un cristal ou quelque chose du genre. On va prendre une coupe save. Tiens, je suis capable de checker le coffre. Non, fous-toi, je vais checker le coffre. Fuck. Marchandé? C'est ça? Oh! Je pense que j'ai vu des diamants, mais je suis pas sûr. Ah, diamant! Fois valeur 250!
admiratif. Ton admiratif succès. Ok. Merci beaucoup, Barfoot. Marchandé. Ok, je l'étudie en gratuit maintenant. D'où ils me le vendent même prix? Qu'est-ce que tu veux là? Persuasion. Admiratif. Ouh! Viens, Barfoot. Que voulez-vous que je réponde à ça? Bon, ok, là tu peux-tu. Mon métier. Je suis alchimiste. Ah! Morrowind. Ok. Mais quand on attend, il s'est dit que du crime de Morrowind. On va essayer des trucs plus spécifiques. Mur du sud, tiens. Je doute que ce soit lève le petit doigt quelqu'un volait. Ce que j'ai dos, vous dites qu'il y a bien plus de sécurité, on vole des tas de choses. Il n'y a que des voleurs ici. Fuck. Ok. J'essaie de checker. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire ça, ça facile. Fuck, marchandé. Persuasion, là, je vais essayer de faire intimider. Persuasion. Annulatif! Annulatif! Sarcastique? Ah, shit. Intimider. Ah, je te donne 10 pièces. Je cherche. Ok, on veut que j'y vole un cristal. Comment tu veux que j'y vole ça? Ok, fixe. Mur du sud, mur du sud. Je doute que quelqu'un a volé sa réserve de vin coupé. Temple de Mamora. Connasse. Ces créatures sont pitoyables. Bon, ok, elle est pas très sympathique. On va aller revoir. Si j'arrive pas à lui voler ses cristals, c'est vraiment compliqué. Coffre. Y'a rien. Tiens. C'est déjà nuit. C'est quoi ça déjà, t'es tailleur? Arrête de bugger, ordinaire. Je vois un Caius, il est clairement là-bas. Est-ce qu'on va lui demander un service ou quelque chose qu'on peut lui faire? Ok, ça va te faire là-bas. Bon, regardez, on est à combien d'enregistrements? Ok, je suis pas vraiment capable de regarder. Je vais juste continuer là, mais regarder qu'est-ce que Caius me dit. Puis, bon, peut-être arrêter. Pourquoi tu voles? Caius, que ça dit? En haut. Pourquoi tout le monde me dit genre que voulez-vous? Je leur parle même pas. Bon, Caius, mi amigo là. Pourquoi t'en parles, Caius? Cherchez des missions. Vous pouvez toujours demander du travail partout où vous allez. Ok, mais t'es mon mentor là. Ordre des lames, c'est quoi ça les blades? Bon,
Nous sommes des espions. Nous servons Dieu et d'oreille à l'empereur. Nous obéissons à chacun des ordres de l'empereur. Or, donne-moi des ordres. Vous avez. Ok. Vous venez et pour de nouveaux ordres. Je veux que vous alliez parler à Aspat, Entabolis, de la créature des guerriers de Balmora. Demandez-lui ce qu'il sait au sujet de la culte secrète de Net et Reverin et celui de la sixième maison. Il vous demandera certainement de lui une faveur au préalable, sans doute pas agréable. Mais dictez-vous quand même. Revenez me voir dès que vous aurez information. Poursuivre. Au fait, Aswat est féru d'histoire de Morrowind. Profitez-en pour accroître votre éducation. Il possède également quelques livres d'histoire. Ici, n'hésitez pas, surtout pas, à les consulter. Il serait trop bête pour vous un rouage important de notre histoire et que vous ne le connaissiez pas. Fait qu'on va aller chercher ce monsieur. J. Ok. On va aller... Ok. Le maître est allé acheter... Revenir le voir pour qu'il me donne des ordres. Bon. Le maître espion m'a donné pour mission d'aller parler à Asphar Entabolis, à la guilde des guerriers de Balmora. Ok, fait qu'on doit aller à la guilde des guerriers. Guilde des guerriers. Nanana. Guilde des guerriers, il me semble que c'est ici. Ok, fait que ça va être en avant, on monte les escaliers, puis on va à gauche. En tout cas, je trouve ça bien plus agréable que le jeu soit en français. Surtout pour avoir tout le texte. Oh, des belles ruelles. Ça, c'est donc un plein dedans. Il y a plein d'affaires dans des caisses sur le bord du chemin. Ça, c'est magie. Ça, c'est guerrier. Fait que... Comment il s'appelle? Entabolis. Toi, t'es-tu Entabolis? Non, t'es pas Entabolis. Toi, tu l'es-tu? Non, toi, t'es Wayne. Sous-sol! T'es-tu Entabolis? Entabolis! Entabolis! T'es-tu Entabolis? Ah, Entabolis! Bon. Sixième maison. Commencez par me rendre une faveur. Faveur. Les ruines d'Wammer d'Arkingen sont toutes proches. J'aurais besoin que vous y alliez me chercher un petit cube orné d'un cercle et de plusieurs symboles. Ok. Bon. Rien. J'y. Une faveur. Il faut que vous rendre aux ruines d'Wammer. Je dois trouver un petit cube avec un motif circulaire, ils appellent ça un casse-tête d'Wammer. Quand j'aurai ramené le cube à Entabolis, il me dira ce que j'ai besoin de savoir. Ok! C'est normal un labyrinthe, toute cette maison-là, juste pour rien. Rien. Où sont les ruines d'Ouemer? Crud, j'aurais dû nous demander c'est où. Peut-être. On va juste retourner voir ce gars-là, puis après je pense qu'on va se quitter pour l'épisode. Ça fait quand même longtemps que je tourne. Je commence à avoir chaud. Tiens. Ok. Toi, là. Bon, le cube que je cherche, c'est même à la taille d'un point fermé. Je veux juste savoir c'est où. Tandis qu'un autre est marqué d'une ligne, un petit cube, c'est tout ce que je demande. Okay. Où est... Ah, Nevarine, c'est que... Arkham
Arcantan. Ok. Les vieilles runes douanières d'Arcantan sont très étendues à la surface. Comme vous. Prenez au sud. Passez devant la porte de l'Université des Marais. Puis traversez les ponts de la rivière Odaï. Sur le panneau, bifurquez au nord vers Caldera. Panneau à la noire. Et fait que là, faut que j'aille sud vers Caldera. Ok, faut qu'on aille à Molagmar à côté de Calvera. Calmora. Molagmar, Calmera. Molagmar, Calmera. Molagmar, Calmera. Oh. Faut que j'aille au sud. Je sais que j'avais dit que j'allais arrêter. Mais moi, juste jouer un 2 minutes de plus. Ok. Ok. Des ruelles. Ouh. Poupi. Fermé, je veux rien de ce qu'il y a dans vos poubelles. Ah, ça bug. Ok. Ah, je me demande pourquoi ça bug autant. D'habitude, ça bug pas tant que ça. Ah! Ah, j'ai fait me noyer à cause d'un bug de caméra. Je veux rien, je veux juste partir. Arrêtez de me dire que voulez-vous. Rien. Ah! C'est où la sortie là? Une gosse là avec leur. Que voulez-vous? J'imagine que ça va tourner. Ah, ok, c'est là-bas. À côté du genre de. Peut-être que le Easy Travel peut me dire. Ah. C'est où ça, le sud de, le sud du golfe. C'est où? L'île des guerriers, le sud. Ah. What the heck? Est-ce que tu viens de me dire ça? Dude, je suis de ta même espèce. Arrête d'être un weirdo, là. Elle vient de me menacer de me manger alors qu'on est tous les deux argoniens. On est comme les deux seuls argoniens du royaume, puis elle menace de me manger. Ah. En tout cas. Quick save. Ça. Dis-moi pas que j'étais autant un génie que je l'ai trouvé après 2 secondes. Non, c'est une mine d'œuf. Bon, ben, en tout cas, je trouve que c'est un endroit safe pour s'arrêter. Fait quoi, hein? Ça va être à peu près tout ça pour. Épisode-ci. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner
et à mettre un like. Puis ça va être ça. Bye bye!